Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Minecraft Fabrice Fun Gaming. Alors, comme vous avez pu le remarquer, pour certains, on a changé le logo de toutes les chaînes, de tout le bordel. Google, etc., Facebook, Twitter, bah, j'ai changé l'avatar et la bannière. Puis comme ça fait un peu moins un truc de base. Du coup, ça passe mieux. Donc, dans Minecraft, actuellement, j'ai la voix qui va pas du tout, ça me dérange. Ce que j'ai fait dans Minecraft, j'ai tout changé. Je me suis dit que ça allait être un petit peu trop haut, ce mur dégueulasse que j'avais mis tout autour. Et que ça passerait pas. Du coup, j'ai fait autrement. J'ai épingé tout le mur, ça m'a pris 1 à 2 heures, je sais plus. J'ai tout enlevé. J'ai simplement bienvenue sur la personne qui vient d'arriver sur le live. Alors, encore une fois, faudra vraiment que je pense à faire les fournitures à l'intérieur des bâtiments, hein, qui n'ont pas été faites encore. À terminer le magasin que j'ai pas terminé. Mais ce que j'ai fait, j'ai refait l'entrée. J'ai refait l'entrée. J'ai simplement mis des barrières de feuillage, hein, quoi. J'ai pris du. J'ai pas des blocs d'herbe, c'est quoi là? Des feuilles d'épicéa, puis j'ai mis tout autour. Voilà, au lieu du gros mur dégueulasse, bah, j'ai foutu un mur d'épicéa. Et à côté du mur d'épicéa, il y a une petite barrière en fer. Ça s'appelle comme ça, ouais, des petits barreaux de fer. Les barreaux à tout fer. Alors. Et puis du coup, là aussi, j'ai raccourci le truc parce que j'ai prévu de faire une baraque plus longue que prévu. J'ai prévu de faire la maison du maire. Du coup, bah. Putain, ça va être long le truc. Et là, j'ai refait une entrée. Pour la banlieue justement. Puis là, ce serait un petit poste de garde qui laisse passer ou pas. Et là, je ferai un parc. Je me suis fait chier à mettre. D'ailleurs, je vais vous montrer en dessous. Je me suis emmerdé à mettre ça parce que le sable ne tient pas. Le sable ne c'est comme le gravier, hein. La gravité va chier. Ça tombe. Donc il y a la gravité avec eux, mais pas le reste. Du coup, bah, j'ai fait c'est pas une plage, hein, mais j'ai fait tout un parc pour mettre des arbres, des bancs pour plus tard. Salut Flo. Bienvenue sur le live. The White House. Non, non, non. Alors, ouais, la White House, j'y pensais justement. J'ai vu sur Google Images qu'il y avait des White House. Mais non, ça va y ressembler. Mais j'ai pas vraiment les dimensions exactes. Puis vu que la route, elle passe par là. Pour le coup. Ah, mais c'est la lumière qui fait cet effet-là, d'accord. Ouais, c'est la lumière qui fait cet effet de rouge entre deux par là. Ouais, non, mais c'est la lumière que j'ai posée. Du coup, je ferai une maison avec une partie habitable, là, et une partie administrative, là. Mais je sais pas si je vais faire très long, ou si je vais faire un parc à côté. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est ça. Ce soir. Ce soir, j'ai décidé de faire un truc dans la maison qui est là. Alors, je ferai les emménagements plus tard, évidemment. Vous entendez que j'ai la voix un peu qui va pas. Le truc, c'est que je vais bien. Simplement, j'ai un petit peu des petites glaires. Puis, du coup, c'est la voix qui est un petit peu cassée. Non, mais puis aussi parce que j'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi. Donc, alors, ici, j'ai changé d'avis. Ce que j'ai fait. Bah, ce que j'ai fait, j'ai mis des lampes, hein, en direct. Me semble-t-il que je l'avais fait en direct. Ici, j'ai pas encore mis de lampe. Ce que je vais faire, je vais simplement. Alors, je vais essayer un truc. Je sais pas si ça va marcher. Alors, ce que je peux enlever déjà de l'inventaire parce que ça ne sert à rien du tout. Allez, hop. Ce que je peux virer de l'inventaire, c'est ça. De toute façon, toujours récupérer ça aussi et ça aussi. Alors ensuite, ça je mets là, ça je mets ici. Il me faut où c'est? Il me faut de la brique, de la brique. Alors, on ferme la porte. Déjà, bienvenue Flo tout net. Hein, désolé, j'ai pas dit coucou. Donc, ouais, en effet, le truc c'est que c'est plus joli comme ça. Parce que le gros mur à la Trump que j'avais fait, c'était un petit peu trop haut.
Et du coup, ça agaçait. Ça gâchait la vue. Du coup, il n'y avait pas beaucoup à voir par là. Et à cette base-là, c'est mieux d'avoir la vue, puis de voir un petit peu autour. Quitte à ce qu'il n'y ait pas beaucoup à voir, mais au moins, il y a des trucs à voir. C'est pas tout le mur qu'on voit, puis on voit les passants passer, par exemple. Bon, il n'y en aura pas, hein, de toute façon, mais voilà, voyez le genre. Ce sera visible. Alors, ça. Tac. Ça, on va péter. Et on va prendre ça. On va le prendre comme ça. Alors, ensuite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, ce sera parfait pour la place de la cheminée. Pour le coup, on va faire la cheminée ici. Ouais, ici comme ça. Avec un petit fond. Alors déjà, je vais faire la cheminée, je vais la faire comme ça. Là, ou de genre simplement remonter comme ça. Hein. Voilà. Oups, on va reprendre ça. Alors, tac, non, tac, voilà, comme ça. Ça, on enlève. Non, c'est pas ça. Ça, ensuite. On fait comme ça. On fait comme ça. Et on fait comme ça. Voilà. Puis on verra pour le reste. Hein. Alors. Donc j'avais, je vais vous montrer, hein, une fois j'avais déjà fait une cheminée. Alors je vais là-bas, je vous la montrer, c'était sur ma première construction sur Minecraft. J'ai un peu exagéré le truc parce que je voulais faire gros. Là j'essaie de faire pas trop gros. Parce que là j'ai vraiment exagéré la cheminée, hein, c'est une cheminée king size. Il commençait depuis là, alors attends, hop. Et j'ai réussi à faire du feu, puis à faire ça. Donc on verra si j'arrive à dimensionner correctement. Pas faire n'importe quoi. Est-ce que... Par contre, je me pose la question. Est-ce qu'il y a des dalles? Oui, il y a des dalles de briques. Super, ça je veux. Donc on va faire comme ça, plutôt. Tac, tac. Et tac, voilà. Et parce que je voulais cette cheminée, simplement j'ai hésité. Au début j'ai hésité, puis là bah, je suis plus hésitant du tout. Ah bah non, ça marche pas là. Ah, attends. Ah, pour le coup, bah, il va falloir rajouter ça comme ça. Voilà, puis ce sera bon comme ça, hein, ce sera pas un problème. Ou alors... Ouais, comme ça.
déjà avoir comme ça. Hein. Alors ensuite. La cheminée. C'est pas bon ça. Hop, hop. Alors, la cheminée comme ça, c'est parfait. Voilà. Ça fera grosse cheminée. En même temps, c'est ce que je voulais parce que c'est une petite. C'est une maison de banlieue. On voit assez gros. Puis là, ça fait deux, c'est pas grave. Mais là-bas, ce sera comme il faut. Donc c'est bon. Non, c'est pas ça que je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de changer de matériaux. Alors. Ouais, c'est vrai qu'elle est grosse. T'as raison, Flo, mais c'est juste pour voir. Après, après, faut faire comme si la fumée elle partait. Attends. Parce que le problème. Que je veux. Ouais, comme ça. Top. Un brin en moins, t'as raison. Mais en même temps, ça fait du bien de regarder un tout petit peu ce que on peut faire. Merci pour l'info. Alors, déjà. Déjà, on va. Merci à Flo qui m'a dit justement que c'est un peu large. Elle a bien raison. Parce que là, c'est quand même gros comme cheminée. Alors, je sais, normalement, ça repousse. Sauf que je vais pas attendre 3 plombes que ça le fasse. Hop, tac. Et tac, voilà, hop, et tac, voilà, ça commençait à repousser, mais bon, j'allais pas attendre non plus. Tac, voilà. Ensuite, descend. Sur l'intérieur, on le regarde pas, hein, c'est pas un problème. Comme ça. Ensuite, là, je veux bien. Ouais, comme ça va. Ça fait un peu design, hein, le truc, mais bon, moi ça me plaît comme ça. Bah, on laisse comme ça. Alors. Alors ensuite. Ensuite, je laisse. Tac. Tac.
Voilà, comme ça. Et ici, parce que justement, ça va brûler. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. Alors. Et ensuite, bah, on... J'allumerai le feu, mais pas tout de suite. J'ai une petite idée ici. Alors déjà, je vais le laisser comme ça. Ce sera parfait. Ce sera parfait. Ensuite, voilà. Bien. Alors ensuite, je vais voir pour où est-ce que ça se trouve déjà ça. Ah bah voilà, le silex en fait c'est un briquet parce que c'est de le voilà. Un petit feu, tout simplement. Oh, par pitié, dis-moi que ça brûle pas de l'autre côté. Non, c'est bon. En fait, j'ai enlevé la propagation du feu. Normalement, ça devrait le faire. Alors, c'est juste le bruit qui est inquiétant. Mais moi, j'aime bien, ça passe bien comme ça. C'est joli. Alors. Voilà. Ça. Ici, de l'autre côté, c'est parfait. Il n'y a rien qui touche. Dommage que la fumée elle monte pas plus haut. Du coup, ça fait bizarre. Ça, ouais, c'est bon. Ouais, c'est parfait comme ça. Bah, je suis content. Ensuite, maison suivante. Ah, bah non, pas maison suivante. Ici, il va falloir que je voie. Alors, déjà. Ici, je vais mettre une loupiote pour voir ce que je fais en fait. Alors, ensuite, ici. Jusqu'où je peux. Ah, bah oui. On va mettre la. Bah non, mais c'est parfait. On va mettre la porte ici. On va mettre. Ça ici. Ça là. À moins que je mette. Où il est? Où il est? Où il est? Où il est? Il est ici. Ici, hein. Là, ensuite, on va un peu respecter le truc. C'était de la diorite par terre, me semble-t-il. Hein. Ok, diorite polie. Donc, il y a un truc que je peux enlever. Zouf. Oui, parce que j'ai le pack de texture urbain. Le truc, c'est que le silex ressemble à un briquet. Hop. Voilà, ça c'est fait. Selon comment la porte va être mise. Enfin, les portes en l'occurrence, là. Est-ce que j'ai des portes? Oups. Alors, attends, hop, comme ça. Ah. Merci pour le GG pour la maison, merci beaucoup. Alors ensuite.
Et en y regardant de plus près, très sincèrement, en y regardant de plus près, bon bah une double porte ça peut pas faire de mal en même temps, hein, je dis pas non. Alors, ça ensuite comme ça. Ça ici comme ça. J'ai ma petite idée pour plus tard, pour l'aménagement. Voilà, ça c'est comme ça, je vais le laisser comme ça. Peut-être sympathique. Ici coin cuisine aussi. Là, là, je pense mettre la table. Et là, on va laisser tel quel. Là, on va mettre le coin cuisine, en l'occurrence. J'ai ma petite idée. Mais tout ce qui est ameublement, ça j'ai bien dit que je le ferai plus tard. Le truc c'est que je dois déjà faire en off. Ça je le ferai ce soir après Tomb Raider. En fait j'ai ma petite idée. Je vais commencer par là. Parce qu'il y a tout. Alors ce sera vite fait une fois que j'aurai commencé. Parce que la plupart c'était juste des bureaux à mettre. Hein, puis c'est vite fait. Dès que j'aurai commencé, ce sera vite fait. Surtout pour cet énorme machin. Alors j'ai ça à remplir. J'ai ça à finir, j'ai ça à remplir. J'ai la prison à remplir aussi, faut pas que je l'oublie. J'ai toute la partie droite de l'hôpital à remplir. Ce sera bon. En fait, c'est vite fait, faut juste que je me motive, que je me bouge le cul pour le faire. Alors. Alors. Ensuite. Ici, alors. Ce que je vais faire, je vais jeter une bonne partie du matos parce que j'en ai pas besoin, que je compte pas utiliser. Alors. Déjà, ça vire. Ça aussi. Alors, ensuite, ça vire aussi. Ça, pareil. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la laine grise, je vais garder, on sait jamais. Ça, je vais garder aussi. Ça, je peux virer pour le moment. Le granit poli. Granit poli, ça, je peux le garder pour le moment. Ça, je peux enlever. Qu'est-ce que je voulais enlever? Ah ouais, il y avait un truc que je vais faire tout de suite, en fait. Que je vais pas attendre de faire. C'est alors déjà ouais on entend le bruit du alors ça c'est bon c'est pas un problème alors ça le granit poli je vais le prendre tout de suite je vais pas faire la deuxième maison tout de suite ça ne sert à rien le jardin je veux juste voir un truc avec le jardin. Alors, ça risque d'être petit, mais bon, on va faire plutôt le coin par là. Ça peut être intéressant. Alors, le coin par ici, ce sera le coin. Oui, je vois. Alors, attends, déjà. Alors, tac. Je réfléchis. Vraiment, la place peut manquer, hein. Ça peut être un peu chiant pour le coup. Je vais faire comme ça.
Je réfléchis, hein, parce que je suis pas sûr de ce que je fais. Et ça, je vais l'enlever direct, en fait, parce que ça sert à rien. Compliqué, je suis en train de faire la piscine là. Alors, tranquillou. Ensuite, je replace ça ici. Où est le... C'est pas ça, c'est pas ça non plus. J'ai du mal à reconnaître, j'avoue. Où est-ce qu'il est? Le gravier, super. Ah oui, bah ça va faire chier parce que justement, petit chemin de gravier. Ouais, parce qu'il est, il est soumis à la gravité. Alors, sympa. Alors ça fait office de test. On va faire un petit chemin de gravier ici. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je suis obligé de faire comme ça parce que vu que c'est soumis à la gravité, bah voilà quoi. Hop, on met ça pour pouvoir poser le gravier. C'est pareil pour le sable en fait. Les blocs durs, pas soumis à la gravité. La logique, tout ça. Là, tac, tac. Ensuite. Ouais, c'est plutôt sympa le petit chemin de gravier. Alors, on va faire comme ça. Ici, on va poser. Alors, je cherche ce que je peux poser. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux poser qui risque pas de d'être bizarre? Sable des âmes, mais on s'en fout de ça. Vous voyez le. J'ai trouvé, alors. Déjà, on va faire comme ça ici. Ah bah c'est bien ça. J'ai pas besoin de taper tout le machin en me faisant chier. Tout passe. Tout passe jusque-là. Alors déjà. Bon. Ensuite, voilà, c'est là où je voulais en venir. Jusqu'à ici. Ici, ce sera le coin pique-nique, etc. Donc on va pinger ça ici. C'est bien, c'est le jeu qui donne des idées pour bien améliorer son petit projet.
trouverai. Comme j'ai toujours dit, hein, Minecraft, on est limité que par notre imagination. C'est ça qui est bien. Si on a une imagination fertile, on peut tout faire. Sinon, bah, on se dit qu'on a vite fait le tour du jeu, hein, ce qui est dommage. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on continue le petit chemin de gravier par là et on le continue par là. Et en plein milieu, en plus, c'est génial, ça passe bien. Alors, on va mettre. Ouah, dessous, il y a vraiment tout un tas de trucs. Dessous, j'ai laissé ouvert, c'est normal, c'est parce que je compte de toute façon faire un système d'égout. Ça, c'est le truc qui va me prendre le plus de temps, qui va m'arracher les cheveux. Hop. Là, c'est pareil, parce que il me faudra un fond. Sauf que j'aimerais savoir. Alors. J'avais dit ça, c'est pour le fond. Comme ça. Alors déjà. Tac, ensuite. Ça passe tout seul, alors ça comme ça, la piscine ensuite, alors je vais me poser là, tac, ça, la piscine. Il faudrait quand même qu'ils aient pied d'une certaine manière, ou plutôt non, en faire le fond comme ça. Alors, tac, tac, tac. Déjà, c'est seulement avec cela que je vais prendre le fond, moi, de toute façon. Voilà, un fond où on a pied, un fond où c'est un peu plus au fond. Donc, du coup, je vois un petit peu ce que je vais faire. Donc, ensuite, il va falloir que... Parce que je veux pas que ça coule, en fait. Déjà, ça va dégager, de toute façon. Ensuite, il va falloir que je repasse par l'autre. Oh, c'est pas grave. Alors, je pose une loupiote parce que je vais sûrement rien voir de ce que je vais faire après. Hop, voilà. Ça, c'est le fond. Ça comme ça, non même pas, alors attends 2 secondes, hop, oui parce que si on met de l'eau sous un carré, le truc c'est que sous le carré, ça je vais vous montrer d'ailleurs, c'est un peu chiant que je fasse ça comme ça, mais je vais vous montrer, c'est une erreur que j'ai faite et que je réparerai plus tard en mettant un chaudron à la place. Le chaudron ça ressemble parfaitement à une espèce de dévié. Et moi j'avais fait autrement, ce qui est une... d'ailleurs ça je sais même pas pourquoi ça a spawné ici. Enfin bon bref. Vas-y.
Donc c'est à cette hauteur normalement et c'est en train de couler par là. Je dis pas de bêtises. Ah voilà, c'est en train de couler, vous voyez là? C'est en train de couler. Pourquoi est-ce que c'est en train de couler? C'est simple. Parce que j'ai pas mis de séparation entre deux. C'est ce que je vais faire là. Normalement j'aurais dû mettre un chaudron, mais simplement j'ai mis un évier comme ça et ça prend trop de place. Et il y a même le diner où je vais devoir faire autrement. Et du coup l'eau, elle est placée là, puis ça coule en bas. Et du coup ça coule comme pas deux juste là. Et du coup il y a des fuites dans un hôpital, vous vous rendez compte? Alors, on va descendre par là. Allez, remonte, dépêche-toi. Alors. Merci, alors ça fait plaisir que tu me dises que ça te plaise, hein, Flo. Alors moi, je suis très content d'avoir réussi à faire ça déjà sans PC, parce que sur PC, t'as plus de blocs, t'as plus de possibilités. Mais déjà, je suis content d'avoir pu d'être allé jusque-là avec simplement les blocs que j'ai de base. Puis déjà, il y a les mises à jour qui ajoutent des trucs. C'est où? C'est où? Déjà parce que moi, je maintenant qu'ils ont fait les mises à jour avec les coraux, les corails, qui sont où, bordel? Ils sont là, puis du coup, bah, je mettrai ça dans des gros bocaux, je ferai un parc aquatique, du coup. Bah voilà, ça me donne l'idée de faire ça. Alors, déjà, on va fermer tout ça. L'épaisseur est bonne. Vas-y. Mais ça fait plaisir que ça te plaise. Alors. Et d'ailleurs, ça commence juste à me faire des vues sur YouTube. Hein. Le truc, c'est que je fais pas vraiment ça pour les vues non plus. Je fais juste ça pour le plaisir. Mais au début, c'est vrai que ça marchait pas du tout. Moi, ça m'était égal. C'était pour le plaisir de faire une construction. Je me suis dit, les vues, ça viendra plus tard. Et puis, ça plaira peut-être plus tard. Et ça commence à plaire. Et ça commence à justement à être vu. Bah du coup moi je suis content, ça m'arrange. Ensuite. Alors ça, ouais comme ça c'est parfait. Ensuite, il me faut de l'eau. Pour grandir, il me faut de l'eau. Ou je sais plus comment c'était la pub, mais enfin bref. Alors, oui, il me faut un seau d'eau. Un seau d'eau ici. Alors, sur tous les côtés, hein, comme ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, et voilà, on a une piscine. Jamais l'eau est devenue un petit peu plus réaliste qu'avant. Parce que faut dire que maintenant, avec la mise à jour des fonds marins, bon, je l'ai pas sur ma carte parce que faut en régénérer une. Maintenant, on peut voir sous l'eau sans avoir besoin de potions. Parce qu'avant, tu voyais que dalle, hein. Alors, ensuite, je continue le petit chemin de terre. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, ça c'est la première maison qui est vraiment terminée. Pour le coup, moi je suis content. Hein. Un petit espace pour bouffer, etc. Je vais pas mettre un barbecue non plus, ça sert à rien. Mais parce qu'il y a la cuisine derrière. Un petit chemin. Et moi je suis content de la création. Elle a bien, c'est super bien fait. Donc ça c'est fait. Ah par contre j'ai oublié un truc. Un truc que j'oublie, mais que je veux pas oublier parce que ça me sert à rien, puis que ça me fait des blocs pour rien.
Où est-ce qu'elle est la maisonnée? Oups. Attends, la maisonnée, elle est par ici. Ah bah d'accord, j'avais enlevé les lumières, d'accord. Bah j'ai oublié direct que je les avais enlevées. C'est parce que je me suis aperçu que j'avais laissé une lumière dans le garage qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas nécessaire pour le moment. Ça, on le fera plus tard, hein. Donc pour le coup, vu que il y a tout ça ici, bon bah déjà ça vire. Ensuite ça aussi. C'était quoi que j'ai viré là? Ah oui c'est ça. Ouf. Ça je pourrais toujours le reprendre, hein, c'est pas un problème. Ça aussi, hop, ça me fait de la place. Par ici. Alors, je vais me remettre en pleine nuit. Ça me fait un petit peu les loupiottes. Voilà, comme ça. Bon, si on met des loupiottes comme ça, pour moi, c'est parfait, je trouve. Hein. C'est pas un gros. Ouais, ça va comme ça. Ensuite. Deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre. Que ce soit un petit peu allumé quand on passe par là. Non, même pas. Je veux pas les faire comme ça. Au moins ce soit visible la nuit. Ouais, comme ça c'est suffisant, je trouve. Moi je trouve ça bien. Ouais, ça passe. On peut mettre les loupiottes sous l'eau, juste pour voir. Non, c'est impossible en fait, ouais. C'était pour voir en fait. Bah, c'est sympa comme ça, moi je trouve. Et vu de la rue, vu de là-haut. Bon, là-haut, il n'y a personne qui ira de toute façon. Mais moi je trouve que de loin, ça fait joli. Alors, option l'eau de jour. Voilà. Ensuite, ici, alors, ici. Ici. Je sais pas encore ce que je vais faire. Ça fait combien de temps? J'ai commencé à 19h, il est 8h. Je suis en train de réfléchir là. Alors, il me faudrait bloc de quartz, il me faudrait de la laine blanche, il me faudrait, ça déjà on le virait, il me faudrait des vitres. Ça j'ai pas besoin, ça non plus, ça peut être. Il me faudrait des plaques, il me faudrait. Porte en bouleau. Des portes en sapin, ouais, ça peut aller aussi. Il me faudrait des escaliers. Est-ce que je les ai, les escaliers? Non, je les ai pas. Il me faudrait des escaliers en quartz. Voilà. Alors déjà, juste pour le principe, je vais déjà virer tout ça. Ensuite, on verra ce que je mets derrière.
Ah oui, ensuite. Non, ça ne le fera pas. Du coup, bah, on va ranger. Tac, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre. Où est-ce? Ah, attends, hop. Déjà, les portes, je les pose là. Ça, je pose ici. Ça, je pose là. Ça, on va faire comme ça. Alors, je vais faire une maison moderne. Voilà ce que je vais faire. C'est quoi ça? Dogue de corail, cerveau mort. Hein? Bloc de corail séché mort. C'est bizarre, ça pourrait faire un joli tapis. Enfin bon, c'est à voir aussi. Ah, je fasse des tests pour plus tard. Hop. Alors ensuite. Réfléchis bien, poteau. Toute façon, il faudra que je mette les carrés, hein. Ça correspond pas comme il faut. C'est pas un problème, c'est pour autre chose en fait. Parce que je vois que je pourrais. Alors déjà, je vais éloigner ça comme ça. Regardez un petit peu ce que j'ai fait par là, ça pourrait être de côté de 2. Une mise en éloignement de 3. Autour de 4. Un petit peu comme ça. Et ensuite. Ensuite, la commencer par ici. Alors déjà, tac. Ce qui ferait que tac. Donc comme ça. Là, ce que j'essaie de. Alors, ce que je fais pour le moment, c'est une piscine. Hein. C'est pas autre chose. La maison, elle sera à côté, de toute façon. Alors. Ah, ouais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça. Tac. Ensuite, bon, bah, on va tout défricher. Hein. Alors, déjà, comme ça. Par contre, ce que je comprends pas. Ah, bah oui, bah, j'ai oublié ça, évidemment. Je sais même pas pourquoi. C'est bien. Alors, tac. On va mettre les. Barrière de base. Et je veux vérifier un autre truc. Comment je pourrais mettre ça? Ça c'est quoi? C'est des chênes de sang, ça c'est la feuille d'acacia. Ça c'est quoi? C'est une éponge mouillée. Va savoir pourquoi ils le foutent dans le. Bref, c'est pas grave.
éponge mouillée en soi, ça me sert à la base, ça sert à rien, hein. C'est juste. Ah, elle peut être. Ouais, bon, bah ça, c'est si jamais c'est en survie, parce qu'elle peut te sécher dans un four, d'accord. Bah ça, on le saura. On le saura. Alors. Ce que je voulais sortir, déjà, aussi. Ça, c'est bon. Ça. Où est-ce que c'est déjà? Terre cuite. Terre cuite blanche, voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, je suis obligé de faire le côté aussi. Bon, on va faire l'intérieur déjà, hein. Ça va être une maison moderne. Je vais faire les maisons. Je vais essayer vraiment de faire les maisons différentes les unes des autres. Hein. Je vais pas tout le temps copier, copier et faire la même chose à chaque fois. J'ai vraiment une idée précise. Alors, je me documente aussi sur Google Images. Je fais pas les copies via Google Images. Hein. Je regarde, je me dis, bah ça peut être ça, ça c'est ça, mais je vais le faire différemment et je vais le faire comme ça. Et je prends mes idées sur Google Images, c'est très intéressant de voir les possibilités différentes qu'on peut avoir simplement en voyant le design qui est blanc à la base et en faire une maison moderne tout simplement. Alors, ça il va falloir par la magie. Ah bah attends, je peux? 2 secondes. Ah ouais, ah oui, y a pas besoin d'en faire deux du coup, ben, ça passe bien. Je change de. Non, mais à chaque fois je vais changer de style en fait. Je vais essayer de changer de style à chaque fois. Puis de faire des maisons différentes. Par exemple, je pourrais faire des maisons en briques, des maisons en. Par exemple, j'ai tout un tas de. J'ai tout un panel de choix en fait pour être précis. Parce que c'est où? C'est là. J'ai toutes les couleurs que je veux. Bon, je vais pas faire des maisons roses non plus, hein. J'ai du. Ça, c'est quoi? Ça c'est du béton. Ah mais non, mais le béton c'est de la merde parce que c'est dégueulasse. Parce que c'est craquelé, puis j'aime pas. Alors bon, je pourrais essayer de faire des maisons craquelées, y a pas de problème. On verrait bien ce que ça donnerait. Par exemple, j'ai de la laine jaune, de la laine orange, de la laine marron. Ça c'est très intéressant pour voir les maisons. Et la laine bleue, c'est la laine noire aussi. Et j'ai la laine verte qui pourrait être intéressant. Puis la laine rouge aussi. Ça pourrait être très intéressant, par exemple, pour faire un tas de maisons. Du coup, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Ouais. Alors, cette piscine, elle n'aura pas un grand fond. Alors. Elle est en même temps pas vouée à être un grand fond non plus. Ça, c'est une piscine d'amusement pour juste comme ça, hein, voilà quoi. Ça, c'était pour le design. Ensuite. Ah bah, j'ai jeté le tout pour rien tout à l'heure, du coup. C'est pas grave. Alors. Ensuite, on va un petit peu élaguer par là, comme ça j'ai un petit peu la place de me mettre en dessous. Ça se dégage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Tac, tac. Je vais aussi mettre une loupiote au fond parce que comme ça je verrai ce que je fais. Et une loupiote par là. Oups. Alors. Quartz. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, elle fait combien? Parce que là, j'ai pas regardé en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, bah écoute.
redescendre un petit coup. Ça m'oblige à enlever tout ça. Oh, c'est pas bien grave, hein, tant que c'est pas énorme à enlever. Juste ça me permettra de passer dans le fond. Un travaux d'élagage qui a été fait dans le fond, justement, ça a été fait à la dynamite, du coup c'est pour ça qu'il en reste un tout petit peu. Ça a été laissé complètement n'importe nawak, hein. Après qu'il y ait des bombes qui explosaient, c'est un petit peu normal. Alors ensuite... Ensuite, refaire un fond. C'était quoi? Ah, bah la laine blanche, non merci, bloc de quartz. Ensuite, je vais juste enlever là et juste les lumières, juste pour voir ce que je fais. Ensuite, il y a la terre cuite blanche. Non, en fait, c'est ça que je veux, c'est qu'au début. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, du coup, ensuite. Ça, c'est comme ça, de toute façon. Ça passe bien pour ce que je compte faire. Alors. Comme ça. Comme ça. Pour les loupiottes, je vais quand même en placer deux là pour voir ce que je fais. Hop. Voilà, et on va mettre un fond. Simplement avec les blocs de quartz. Bon, moi je vois rien du tout là, alors. Tac. Tac. Voilà, merci, un peu de loupiote. Ça fait du bien, au moins je vois ce que je fais, vous voyez ce que je fais. Plus ou moins. Comme ça, tac, comme ça l'eau elle ne goûte pas, parce que de toute façon je mettrais un machin chouette, je prendrai de toute façon mon temps plus tard pour refaire les piscines, puis refaire des petits je sais plus comment on appelle ça. Et merde, j'ai oublié le nom, je cherche. Oh ben, un très petit passage qui est dans les piscines pour justement laisser passer l'eau à l'intérieur. Et on verra comment je ferai ça. Alors. Voilà, comme ça là. Bloc de quartz. Voilà, puis je voulais justement faire... Alors c'est déjà la première maison, c'est déjà un truc de riche hein, en soi.
Mais là, je voulais faire une grosse maison moderne avec tout le confort. Voilà, ça c'est bon. Du coup, je peux sortir. Je vais plutôt sortir par là plutôt que de creuser en dessous parce que j'ai peur de faire une bêtise. Alors. Ensuite, il me faudrait bah, le seau d'eau, le sac d'eau, bien sûr, bien, un sac d'eau. Qu'est-ce que je raconte? Alors. Voilà, normalement on fait de le côté là, puis c'est bon. Besoin de faire le reste, mais voilà, ça c'est parfait. Puis du coup, normalement, vous avez votre eau qui est plate. Alors, ensuite. Et ça va tout seul, voilà. Et je pense à un autre truc. Alors déjà. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Ah, je peux nager carrément! Ah, c'est nouveau, ouais. Alors, ah oui, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ça. Je savais pas que dans la mise à jour, il y avait la possibilité de nager, du coup, hop. Du coup, je vous explique, pour nager, c'est simple. C'est comme quand vous faites en avant pour courir. Je suppose qu'en non créatif, c'est un peu pareil. D'ailleurs, je vais m'éloigner, puis je vais vous montrer ça correctement. C'est génial! Alors. Y a pas assez là. Alors, du coup, vous faites deux fois avant. Sous l'eau, vous faites deux fois avant. Ah bah, faut être sous l'eau en fait. Voilà. Et vous nagez. Je sais pas s'ils vont mettre une mise à jour où il y aura la possibilité de. Je sais pas moi de. Comment dire, d'avoir un scaphandre. J'ai pas vu de quoi fabriquer un scaphandre pour le moment. Alors pour le moment, il n'y a pas de fond marin. Dans ma game, il n'y a pas de fond marin parce que j'avais déjà fait la carte à la base. La mise à jour, c'est pour les nouvelles cartes que vous ferez. D'ailleurs, je verrai ça une autre fois. Je trouve ça sympathique en plus. Alors. Attends, hop, hop. Et du coup, bah, la maison que j'ai sous l'eau, elle peut se voir sous l'eau maintenant. C'est plus comme avant où c'était pas possible. Alors déjà, je me remets en vol. Ah non, mais c'est parce que j'avais arrêté de sauter en fait. Donc en créatif, c'est pas possible. Il faut juste se laisser aller et on nage. Comme si vous continuiez de marcher. En fait, le truc de. Oula. Le truc de d'être comme ça marche pas. Il faut être comme ça. Faire deux fois avant, ça fonctionne. Oh, c'est génial. Par contre, il y a eu un petit bug de visuel là. Ah, ça fait du bien de découvrir ça comme ça par hasard. Alors, parce que c'était pas expliqué hein, dans les mises à jour en plus. Bon, bah, ça, je peux l'enlever, hop. Que j'ai pas cherché à savoir comment c'était, mais moi, bon, c'est peut-être expliqué dans les commandes, hein, mais bon, voilà quoi. Ce que je voulais, moi, c'était une échelle. Et où l'échelle déjà? Ici, j'ai vu. Éteint les flammes et contribue à la prospérité des cultures à prélever dans un seau. Non, putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. What? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ah, merde, attends, hop. Je sais même pas pourquoi ça m'a dit ça, donc bon, laisse tomber.
Ce sera top pour le monde sous-marin, le parc aquatique. Ou alors je ferai un parc aquatique. Bon, malheureusement, vu que j'ai enlevé les apparitions de bestioles, parce que oui, j'avais des apparitions de bestioles dans les habitations, du coup, je les ai enlevées. J'essaierai de faire un parc aquatique avec des poissons qui vont rester dedans. Après, je sais pas si ça va marcher. Non. Alors, ah bah je veux bien essayer comme ça. Voilà. Ensuite, pour s'accrocher. Attends, j'avais fait comment? Je me rappelle plus parce que je l'avais déjà fait quelque part. C'est une piscine. C'était pour la thalassothérapie et ça se trouvait dans l'hôpital. Je me rappelle plus comment j'avais fait l'échelle. C'est malin. Alors. Ça se trouvait là. Ah, j'avais fait comme ça, d'accord. Là, il monte. Alors, pas de problème, mais ça va aussi, ça marche bien. Donc, je vais le faire. Donc, je vais garder ça. Et je vais déjà bah éloigner comme ça. Je vais non, bah, je vais le mettre comme ça, tiens. Et purée, j'ai plus de place pour bon bah je vais enlever 2-3 trucs qui me servent plus à rien. Les verres en carré, je les utilise même plus, donc bon voilà quoi. Alors, la terre cuite blanche, j'en ai plus besoin pour le moment. Ça vire donc. Ce qu'il me faut maintenant, c'est des bords. C'est quoi? C'est des barrières. Non, c'est pas les barrières qu'il me faut. C'est. Ah, si, si, si. C'est barrières en. Il n'y a pas mieux. Je. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Oh là là. Bon, ça continue. Alors, c'était quoi que j'ai pris là? Pierre taillée moussue en poisson d'argent. Non, merci. Attends. J'ai une meilleure idée. Je vais tous les mettre en bas. Hop, voilà, comme ça c'est bon. Alors. Je vais essayer un truc. J'espère que ça va marcher. Même pas. Alors, toi, tac, tac. Alors. Non, ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Alors. Bien comme ça, moi. Alors, ensuite, pour être à corps, on fait tac, tac, tac. Pourquoi je fais de l'autre côté? Tac, tac. Et voilà. Moi, j'aime bien comme ça. C'est un peu mieux que les barrières dégueulasses qui étaient mal foutues. Alors, voilà, ça le fait. Alors, ensuite, bah on arrive bientôt à 1h30. Du coup, bah, ce que je ferais, c'est une maison. La maison, je la ferai à côté. À côté, et j'ai ma petite idée de comment je vais faire certains trucs. Après, il me faudra juste un petit peu de temps parce que là, pour le moment, je vais pas aller dans la lancée de faire. Là, pour le moment, ça commence à se goupiller. Évidemment, il y a beaucoup d'autres maisons à faire. Ça va être un projet très très long. Je suis déjà content d'avoir pu faire tout ça jusque-là. Donc, pouce bleu si ça vous a plu jusque-là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur FabriceFun Gaming. Et pour celles et ceux qui seront encore en live avec moi, là tout de suite, ben, sur YouTube, Shadow of the Tomb Raider d'ici 2-3 minutes. Allez, au revoir, bisous, bisous.